Yo, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Tout dépend de à qui l'est ou à regarder ou de nous. Bienvenue sur Channel Paola. C'est toujours avec même plaisir. Toute équipe là à la ronde badère. Nous comptons entre la chaos à chaque fois pour nous porter pour une nouvelle vidéo d'information. Des bagailles qui rendent Premier ministre Ariel Henry confortable sous pouvoir, c'est Bandio qui joue en faveur. Premier ministre Ariel Henry, il y a monde qui allait plus loin qui dit. Bandio, c'est pour pouvoir même y ap travail et c'est pour pouvoir yoye. Yo l'autre côté, c'est communauté internationale là à travers série de sanctions qu'a prend sous politiciens en Haïti. Ça rend Premier ministre Ariel Henry chita sous yon bloc glace, contrairement avec président élu Jovenel Moïse qui te gagné yon lampe kap limé sous tête li. L'hypotko même prend pouvoir, te déjà gagné. Tibilance politique, attaque tribord par bord, une façon pour le pas capable de travailler. Et dans toute discours qu'on fait, qu'on toujours soulever question ça. Si pas gagner stabilité, pas jamais gagner développement dans le pays d'Haïti. Je ne dis pas gagner stabilité avec Ariel Henry, mais pas jamais gagner une action gouvernementale qui fait, qui montre le pays à lui-même, lui capable d'avancer. C'est sous dossier ça nous venons parler, mais avant nous entrer dans tout détail, quittez moi quelques secondes seulement pour m'inviter. Abonnez-vous avec Channel Info 24 là, songez pour activer la cloche pour qu'à notifier à la seconde que nous mettez en ligne une nouvelle vidéo. Oui, j'aime te dire dans le commencement vidéo, la preuve en est grande. Premier ministre Ariel Henry li pose tête frette, li pa gen aucun pression politique sous dol. Raison c'est parce que bandio yo même yo apprend plus territoire et yo a défié l'état chaque jour plus. Ça mettait population nan campé loin, yo pas capable évacuer avec occupation, yo y a souffri en silence, yo pas jeune manger, yo pas capable di rien, yo pas capable lever contre premier ministre Ariel Henry. Point BA qui c'est dossier international là qui prend une série de sanctions sous divers acteurs politiques influents dans la vie nationale là qui était capable prendre chef de file quelconque mouvement pour ta reler et derrière premier ministre Ariel Henry ou bien forcer pour le faire élection. Et bien nèg sa yo même yo obligé faire profil bas parce que yo gagné zano kay ofev et international la sanctionné yo. Ça fait Premier ministre Ariel Henry lui-même li confortable. Et en plus des politiciens qui sanctionnaient, qui pas capable prendre mouvement ou bien chef de file pour ta forcer Premier ministre Ariel Henry faire une action, pile béton, faire manifestation, eh bien, pas gagner secteur privé des affaires pour qui financer manifestation. Yo, raison parce que nèg sa yo même yo sanctionné pas international là. Ça fait nous capables de dire Giro Guérison, l'Eldi et Premier ministre Ariel Henry là pour 2000X parce que pas jamais gagné une action capable faite pour forcer soit Premier ministre lui-même organiser élection ou bien pour le tabaye l'autre monde pouvoir parce que dans pratique en Haïti c'est qu'on s'allie les peuples prennent la rue ou bien les manipulent les populations c'est pour voyez gouvernement aller. Le gouvernement aller pour venir transition qui prend le travail tête frette, laisse à tout nèg qui était dans l'opposition pendant 5 ans ou bien 10 ans qui pas jamais capable de travailler. C'est dans le moment transition, il va profiter faire l'argent, laisse à la population, c'est lui-même qui pas bénéficier en rien. Nous pas capable d'applaudir avec série de sanctions qui tombent sous politiciens, hommes d'affaires haïtiens. Mais Jean-Pierre Yali même li pour aller là, si c'est sanction yo qui capable de faire nous aller, yon sauf Nabdi Adelante. Mais si après sanction yo, un n'est pas capable de faire, nous capable de dire sanction yo, yo capable toujours réviser si ce n'est pas eux même qui problème pays a. Si nous pas capable de passer à travers sanction pour nous joindre une solution. Et bien, il y a diverses personnalités qui ajoutent dans l'histoire états-unien comme monde avec toute famille qui n'est pas capable de quitter le pays d'Haïti. Et si moun sa yote nan pays les États-Unis, yo ta dwe entre la kayo ou bien quitter le territoire états-unien. Moun sa yo c'est ancien sénateur Nenel Kassi, ancien sénateur
Hervé Foucan avec ancien premier ministre Jean-Max Bellerive. Nèg sa yo même c'est parmi divers autres monde qui ajouté dans liste sanctions que pays les États-Unis prend pour haïtien sous haïtien qui nan sak pa sa diverses accusations a pande sou do moun sa yo. Nous pas connaît qui est qui gen raison, mais jusqu'à présent nous capable constater série de sanctions sa yo fait en pile politicien homme d'affaires fait profil bas, ça bay Ariel Henry yon boulevard pour Light École, sans compter nèg ki te kon pran devant yo qui nan mambel la y ap souci bouche yo plein, nous pas capable mande pour yo al parler pour Ariel Henry te capable faire yon action pour remplacer l ou bien pour mettre yon l'autre gouvernement démocratiquement élu. Les ça c'est même mambel la yo pas besoin encore, c'est une raison qui fait Ariel Henry lui-même li la sous pouvoir tant que Jean Parambédil te capable d'il pour 2000X. On a suivre quelques réflexions sur série de sanctions qui tombaient sous diverses personnalités politiques en Haïti pour plus de détails. Le département du Trésor américain publie un communiqué guerrier du seul avec une liste de 20 personnalités. Et moun sa yo dit c'est des moun qui en lien sous les guerriers avec la violation des droits humains et ceci à travers le monde. 20 moun sa yo guerriers du seul yo concerné 9 pays. Dans pays sa yo guerriers gen Afghanistan, gen la République démocratique du Congo, gen Iran et puis gen Haïti. Dans cas Haïti a guerriers du seul, département trésor américain annoncé qu'il prend sanction contre des chefs de gang dans le pays. Johnson André, en pile moun konnen monsieur sous nom Iso, il est chef gang 5 secondes dans village de Dieu. Gen Renel Destina, en pile moun konnen monsieur sous nom Tilapli, il est yon chef gang Grand Ravine selon le département du Trésor américain. Gen invité l'homme innocent, lycée chef gang Krasé Barrière et gagné Wilson Joseph, lui-même lycée chef gang 400 Marozo, en pile monde connaît monsieur sous nom Lamor Sanjou. Gayé de seul américain yo rappelé nèg sa yo msot cité là yo c'est des nèg qui impliqué jouk nan zo nan fait mauvais acte nan pays. Par exemple, américain yo dit ils ont son nègre la police nationale d'Haïti a cherché conchien fou pour assassinat, pour kidnapping, pour détention d'armes illégales, pour détournement camion marchandises, pour association malfaiteur. D'après Américain guerrier du seul, témoignage moun ki victime yo, moun ki rive soti vivant, là ou fin victime de zak malhonnête gangza, eh bien yo rive répertorié 1035 cas côté que gang Izoa est impliqué dans violence sexuelle et ceci ne serait-ce que pour l'année 2022 seulement. Donc pour 2023, il y a beaucoup rendre public des chiffres pour les chiffres qui sont disponibles. Américain expliqué guerrier du seul, il y en a plus gros allié Izo gain sur la terre bénie, c'est il a appelé. S'il appelé qui dans village par village qui dans Grand Ravine et on dit s'il appelé guerrier de seul, il impliqué tout dans question enlèvement, dans question touyer moun, vol, viol, pillage, incendie, attaquer policier et latrier. Le département du Trésor américain guerrier de seul rappelait que le ministère américain de la justice inculpé s'il appelé parce que s'il a été kidnappé des citoyens américains en février 2021. Département du Trésor américain allait plus loin pour le dire guerrier de seul. Même la justice américaine ça n'a pas allé là. Il a inculpé Vitil l'homme innocent avec Wilson Joseph alias Lamor Sanjou pour rôle yo joué dans enlèvement souvelé des citoyens américains dans pays d'Haïti. N'a pas songé département d'État guerrier de seul n'a pas allé là. T'es offri entre yon a 2 millions de dollars américains pour moun ki ta bay information qui capable conduire à arrestation ou bien
condamnation vite l'homme innocent. Et le 15 novembre 2023, guerrier de seul, vite l'homme innocent ajouté sur une liste de 10 fugitifs les plus recherchés guerriers de seul à travers le monde. Et l'ISA, c'est l'ISA qui peut être McFabric, FBI, guerrier de seul. Et même là, moi, sans jouer ça, n'a pas parlé là, les États-Unis, tout, à travers le département d'État, offrit, souvelé, $1 million américains à n'importe qui est-ce qui a bas information qui conduit à arrestation et puis condamnation chef gang 400 Marozo à guerrier de seul. Dans le même chapitre, dans la même veine guerrier, l'ONU, qui c'est l'Organisation des Nations Unies, en vertu de résolution de Palila, à savoir la résolution 2653 qui est pour le régime de sanctions, hein, y aura un public en communiqué guerrier dans la même date là tout. Et qui ça a dit dans le communiqué ça? Il dit que proposition les États-Unis ont fait qui concernait chef gang ça, eh bien, nous sommes cités là, elle a été approuvée, souvelée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est ainsi que les Nations Unies prennent sanction également contre ces mêmes chefs de gang guerriers du seul. Okay. Ça veut dire ce que nous devons retenir matin. D'une part, il y a les États-Unis qui sanctionnent les chefs gang ça, et de l'autre, et bien, d'autre part, il y a l'ONU qui a même sanctionné même chef gang ça yo qui vient faire que liste personnalité que l'ONU sanctionné yo vient passer à 5 guerriers de seul. Pas oublier premier monde seulement l'ONU te prend sanction contre lui relé Jimmy Cherizier alias Barbecue. Donc 4 monde ça yo vient mettre sous et Jimmy Cherizier vient faire il y a 5 monde dans liste l'ONU jusqu'à nouvel autre guerrier de seul. Et selon le communiqué du département du trésor américain guerrier de seul, dernière mesure de sanction aux guerriers, les États-Unis prennent de concert avec des partenaires tant que le Canada et le Royaume-Uni. Par exemple, le Royaume-Uni guerrier, dans la même logique là, a adopté plus d'une quarantaine de sanctions qui concernaient plusieurs pays. Et bien, dans le cas Haïti, jusqu'à minute, n'a pas parlé là, sanctions Royaume-Uni, ils ont visé 2 personnalités. Première personnalité, c'est l'ancien directeur général du ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, M. Fidel Monchéri, et l'ancien délégué départemental de l'Ouest, Pierre-Richard Duplan. Et n'a cité, c'est pour implication dans l'attaque qui était faite la Saline en novembre 2018, qui était la cause pour passer 70 personnes perdu la vie. Ça, c'est information. Maintenant, guerrier de seul, qui s'accosta pas nouillé? Où est Nations Unies annoncé sanction lieu ou bien comme l'impression ça pas trop fait pays ni chaud ni frais ou bien comme l'impression y a pas trop parlé de ça ou bien pas trop préoccupé raison assez bien lieu sous remonter un mois avant ou a songé tout j'étais arrivé sur Nations Unies et jusqu'à 13 novembre 2023 en pile monde ou du moins jusqu'à avant 13 novembre 2023, en pile monde nous pose question, yo dit c'est liste Nations Unies à attendre. Raison en simple, c'est parce que moun yo te croit liste Nations Unies la plus longue, d'ailleurs c'est ça information yo qui fait croire tout. Deuxièmement, moun yo te croit que on liste de sanctions qui peut être McFabric qui peut être signature Nations Unies la bien plus poids sous balance là parce que ensemble mesure de sanction yo pral prend compte personnalité yo li pa valable pour yon a deux pays seulement c'est presque tous les états membres pour ne pas dire tous les états membres tout carrément donc ça veut dire que ça il était presque en mobilisation sous les bon côté haïtien ici tant que l'autre bord de l'eau pour garder qui ça Nations Unies pral dit ou bien qui ça Nations Unies pral publier dans liste là qui non cap là parce que nous sommes en pile parole de parler que dans liste Nations Unies a gagné toute qualité monde a gagné des politiciens des hommes d'affaires a gagné des chefs de gang tout comme a bien des monde dans société civile là etc. pas que parole de parler donc il vient faire que focus là à certains moments et sous Nations Unies le débat date 13 novembre là 13 novembre passé novembre là fini et ceci jusqu'à début mois décembre là la liste des Nations Unies se faisait encore attendre. Et
puis voilà que vendredi dernier, pour Nations Unies, eh bien, sautons communiqué pour l'annoncer. Mais qui est-ce? Eh bien, ils ont sanctionné. Qui est-ce qui est dans la liste guerrier? C'est Iso, c'est Tilapli, c'est Lambo Sanjou, c'est Vite l'homme innocent. C'est Jean-Lotte Attaka. C'est pas une surprise. C'est comme souvler tout, c'est ton gros vent. Tilapli. Pensez que guerrier est seul. Pour qui sort qu'on est mounio, pas bay dernière liste sa trop importance. Qui est-ce qui pas te connaît que Iso dans gang? Ou bien Iso absimé la trouble dans pays a, ou bien Iso sous les guerriers responsable violation droit moun dans pays d'Haïti. Qui sa Nations Unies apprend nous sur on est dans petit l'appli dans coule en bossant jour etc. D'ailleurs c'est des chefs de gang très connus. C'est les chefs de gang qui revendiquent ensemble action malhonnête dans le pays. Que le kidnapping, que le monde qui mourit, que le attaque qui fait sous des commissariats. Chef de gang, ils n'ont pas jamais caché ça. D'ailleurs, ils sont sur tout réseau, ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur forum avec le monde, etc. Ils ont fonctionné. Donc, soit on liste pour dire, ou sanctionner les gens, c'est bien parce qu'effectivement, effectivement, ils sont responsables de ce qui a passé à Haïti. Mais dans la liste, il n'y a pas les qui concerne les sanctions guerriers. Les gens attendent que quelques Nations Unies, même dans l'autre pays, fait le les États-Unis et le Canada, les gens qui ont sanctionné, c'est des gens qui soit ont supporté la gang, soit de connivence à la gang dans un niveau bien dans l'autre, soit ont vendu la gang dans les âmes, ont fait commerce avec elle, ou bien ont blanchi l'argent pour eux. Parce que pas de jabizo, pas de jabtilabli. On va connait si nexa ou te kon voyager déjà mais écoute nexa ou aller bon sinon que yo gen droit yo na louer l'autre village de Dieu grand ville c'était soleil comme pays à son savant tout yo gen droit à l'enfête qu'a éviter l'homme pour comprendre ou bien à l'enfête qu'a il en mort sans jour à l'enfête qu'a Christ là mais éviter l'homme innocent iso s'il a appelé l'en mort sans jour guerrier de seul ça t'a étonné même si il y a des passeports qui ont visé en pays étranger là-dedans. Ça t'a étonné, même si vous avez été détenu, vous voulez, on compte en banque, vous êtes disposé donc compte en banque guerrier quand vous avez fait des transactions à longueur de journée. Par contre, vous comprenez. Ça t'a étonné que vous avez été bien aux États-Unis ou bien dans un pays qui est sous nous. Par contre, vous comprenez. Donc, dans l'imaginaire collectif haïtien, si vous voulez, on est qui chef de gang, il était dans le trou. Il va gagner trop marge au point que pour le talent monter descendre au point que pour le talent à l'aise dans la société à foncer d'activité comme si son citoyen normal. Donc d'où près des sanctions pour interdire moun nan voyager pour geler ça le gagne comme avoir guerrier de seul donc il y a moun k'ap distance de ça par rapport à moun sanctionné yo k'ap pri. Parce que ça qui intéresse moun yo c'est qu'on est qui nèg qui gagne verse OK qui konn alimenter nèg yo. Et ça qui intéresse moun yo. Qui est-ce qui compte blanchir l'argent pour yo? Et les cob la vini nan men yo guerrier du seul. Nous supposé c'est qu'on côté ou mettez le bien bon matelas, bon gère ou fait pour retourner dans l'économie. Et bien au moins gon canal comme ça passé. Donc série sanction moun yo attend jodi a, c'est qui est-ce qui soit dans secteur politique là, qui soit dans secteur privé des affaires là, qui compte bay nèg yo zam, qui compte vann yo nèg yo zam, qui compte travail nèg yo, qui compte faire nèg yo travail pour yo, faire des jobs pour yo, etc. C'est ça qui intéresse moun yo. Qui est-ce qui de connivence avec yo sous une forme ou sous une autre? C'est lissa peuple tapton, population tapton. Qui politicien, qui nèg ki nan secteur privé a, qui moun ki nan société civile là, qui journaliste ou pa m konnen. Qui a protégé Negyo ou bien qui a facilité Negyo foncer le bagay, qui a mis Negyo confortable, qui a pas connu Yaye. C'est ça où nous avons fait. Donc, dire que vous sectionnez Negyo, donc nous avons besoin, nous avons besoin de voyager. Nous avons besoin de voyager. Nous avons besoin de voyager. Et si Negyo est bien guerrier, nous doutons fort que bien ça vous tapez. Si vous avez bien ou bien vous avez des bagages financés, moun ki intéressé la République, c'est moun yo utilisé.
Ma compte, tu comprends? Par exemple, il y a un droit à faire une quantité d'argent comme chef gang dans mauvaise condition, et puis il veut blanchir, et puis ces guerriers, ils font bal bouli. Ces guerriers, ils font festival bouli, ces guerriers, ils font machine bouli. Quand il y a ça qui intéresse, c'est moi-même, c'est pas chef gang, c'est guerrier. Ma compte, tu comprends, guerrier? Oui, yeah, c'est ça. C'est ça à tête mon yoté, guerrier. Parce que Abdou, ils ont côté le village de Dieu. Je ne pas le village Saint-Domingue, non? Je pas besoin de vous aux États-Unis, au Canada. Par contre, vous comprenez. Je me suppose que l'ambassade en jour, je me suppose. Et bien, information, je me suppose que l'ambassade en jour pas dépasser et plus loin que peut-être Gantier Thomas. Je me suppose ça. Je me suppose depuis la vie de l'homme innocent, je me suppose depuis la vie de l'homme innocent, il y a un statut dans le pays. Il pas déplacer plus loin que quatre communes occupées. Pétionville, Tabar, Delma, avec un parti dans quoi des bouquets. Ça ne va pas être possibilité que le Calouais en milieu. Bon, comme son savant, j'ai même supposé. Comme son savant. Mais on prend pour acquis que yo cédé moun la police a pour chercher. Donc on prend pour acquis que la police a mettre contrôle guerrier de seul. Sou yo. Donc on dit tête moi, yo pas déplacer plus loin qui côté hier. Donc qu'on y a prend on sanction contre moun aujourd'hui là. Aux yeux de la population, presque pas blesser grand chose. Par contre, vous comprenez. Sanction ça, yo t'a bien sans souvle. Nan jè, les paysiens, c'est si yo te concerné des moun kap collaborer à gang yo. Moun kap bay gang yo jaret. Moun ki de connivence avec gang yo. Moun kap facilité gang yo joine zam acheté ou bien kap fè gang yo cadeau zam. Moun kap facilité gang yo joine munition ou bien kap fè yo joine munition pour yo acheter. Moi même moi pas la moun yo, c'est ça tant yo dit. Par contre, vous comprenez. Oui, oui. Donc, les Nations Unies a couché l'ISA et puis qui est-ce qu'il a dans les chefs de gang très connus qui n'a pas étonné personne, mais tout le monde connaît. Ça ou déjà. Donc, ça presque pas blé dit. Aïe. Mais quand il y a la guerrier, question que tu as posé matin, est-ce que nous avons toujours une situation pour nous obtenir une liste de Nations Unies encore? Ou bien est-ce que ça c'est un boucan étant bouilli, ou une liste qui a sorti véritablement et qui a peut-être plus de gens pile monde souhaiter ça ou bien j'en pile. Information t'es fait quoi ça, etc. Moi-même, ma bon ça maintenant, guerrier du seul. Moi, très sceptique, moi, très pessimiste. Que pral gon lisse, qui pral sauti, bon côté Nations Unies, et qui a bien, on quantité moun la donne, etc. Que yo considéré comme des moun qui en lien souvle avec ça ou les violations systématiques des droits humains en Haïti. Tout est fort. Moi, l'explique pour qui ça. Moi senti, ça m'a dit, c'est pas parole d'évangile, c'est peut-être une lecture. Moi senti le fait que sanctions onusiennes, yo guerrier du seul, y a applicable à une quantité d'État, moi senti bon désaccord jusqu'ici, soit entre États ou bien non au niveau moindre, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ok. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire État ou beaucoup finalement, vraiment. Il y a plusieurs points de désaccord qui a gagné. Par exemple, sur mécanisme de désignation mounio, mécanisme de sélection mounio, c'est-à-dire comment yo choisi mounio pour sectionner yo. Il y a de état tout carrément qui doit dire yo même yo estimé manquer transparence guerrier de seul. Oui, qui ça preuve. Non, j'ai choisi mounio. Il y a de état qui doit dire lui-même pardon, lui-même pour lui adhérer en bas comme ça, faut que yo bail beaucoup plus d'éléments. Évident, si vous voulez. Il faut que vous ayez beaucoup plus de preuves, je vous dis ça, guerrier. Il y a des États qui doivent tout ça. Comme ça, tout, il y a des États qui doivent estimer, dans le processus là, ou bien dans les gens qui choisissent Mounio, il y a un groupe de monde, ou bien des gens qui a protégé au détriment de l'autre. Il y a des États qui doivent tout ça, guerrier. Il va dire, OK, pendant que vous choisissez un tel, pour qui ça un tel va la donne, pour qui ça c'est un tel, pour qui ça c'est pas un tel, alors que un tel nous gagne un élément en main qui a fait ceci, qui a fait cela. Par contre, vous comprenez. Donc, si tout ça, yo, effectivement, t'as un vrai guerrier, donc, ouais, question de liste Nations Unies, nous mettons fermé, je ne sais pas, comme ça, madame, monsieur. Mais si on pas arrivé à entendre, yo, au moins au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, soit ensemble, zone d'ombre, ou bien soit ensemble de points de désaccord qui t'a gagné éventuellement, donc, nous mettons contenté avec. Les chefs de gang ça seulement. Nous mettons juste contenté avec ça. Nous doutons fort que pour aller gagner, on l'autre liste qui a sorti, qui a gagné beaucoup plus de monde. La donne, Jean, ça t'est dit préalablement.
Par contre, vous comprenez bien, Joseph. Maintenant, comme la résolution 2653 était déjà adoptée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc, yo kabay état yo libre choix. OK? Yo kabay et l'état yo toute attitude vous voulez pour eux-mêmes yo appliquer ou pas le régime de sanctions. Par contre, vous comprenez guerrier de seul. C'est ça que faut web des pays tant que les États-Unis Abdou adelanté. Des pays tant que Canada adelanté, il a pas avancé. Même gens qui de l'autre partenaire tant que Royaume-Uni etc., qui les mêmes sont adopté sanctions ça concerne Haïti par rapport à deux anciens fonctionnaires ça il a pas avancé. Maintenant, parlant de pays qui voulaient ou bien de pays qui souhaitaient souvler guerrier du seul appliquer régime de sanctions qui était adopté au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Moi-même personnellement, moi senti les États-Unis comme yon nan moun qui t'a proposé ça et qui t'a joué un soutien l'autre pays tant que Mexique a joué peut-être un certain double jeu dans cadre série de sanctions ça. Double jeu en ce sens que il y a deux monde ouais, yo choisi sanctionner mais il y a deux monde tout yo choisi pas sanctionner. Pourtant, il y a des partenaires les États-Unis qui sanctionnent yo. Or, sous regarder plusieurs communiqués, est-ce que nous regarder 14 verset là? Jusqu'à présent, ok. Si vous regardez plusieurs communiqués autorités américaines, vous avez dit que vous travaillez de concert avec les partenaires. Donc, ça t'a voulu dire qui ça? Ça t'a voulu dire si le Canada apprend une sanction contre une personnalité, nous doutons forcément de l'ennemi public que les États-Unis sont au courant. Par contre, vous comprenez? Si vous avez l'autre allié, plus près de nous, la République dominicaine, qui t'a voulu sanctionner au monde en Haïti sous base résolution 26 et 53. Nous doutons fort que c'est dans la presse les États-Unis d'abord. Donc pour qui ça que peut-être qu'à d'accord que État allié ou bien pays allié lui sanctionner au monde alors que lui-même il choisit délibérément pas sanctionner. Et ça t'a voulu dire c'est parce que soit nous sommes citoyens américains, pas forcément connaît. Et ça t'a voulu dire que les gens qui ont intérêt aux États-Unis, pas forcément connaît. Est-ce que ça t'a voulu dire que les gens peut-être le protéger des Américains, pas forcément connaît. Mais c'est juste un bagage qui préoccupe Jimmy Critéagène. Si bien que, il y a une information qui vient de moi, un ancien fonctionnaire et haïtien, que vous avez dit les États-Unis, vous pouvez sanctionner un pays tout près. Vous êtes capable de dire la République dominicaine. Il dit même lui dans monde il y a aidé pour sectionner mais tel etc. Parce qu'il y en a pas pour comprendre les États-Unis ou bien l'autre pays yo yo ont synergie yo dégagé à travers bien entendu des services et d'intelligence sur Haïti pour capable prendre des informations sur une série de monde bien précis. On dit par exemple la République dominicaine développe un coup de main et puis il dit, grâce à le service de renseignement, il y a des informations sur Intel. Et puis il soumet les bails, on sait le pays, tant que Canada, États-Unis. Et puis Canada dit, bon, nous d'accord, nous n'avons pas Intel, nous d'accord, nous n'avons pas Intel, etc., etc. C'est ça, mon mari, le double jeu. Qui est différent de Canada? Si vous regardez bien Jimmy Critéagène, Canada va n'avoir cédrié. Où c'est ancien premier ministre? Sanction. Ou c'est ancien ministre, sanction. Ou c'est ancien parlementaire, sanction. Ou c'est membre dans le secteur privé des affaires là, sanction pire. Par contre, vous comprenez, Jimmy Critéagène. Et ceci, malgré persistance soulevée, on s'est eu de monde qui frappé par sanction, qui a demandé eh bien, des preuves sous accusation que le Canada en particulier portait contre eux. Malgré ça, yo passé des après yo c'est sanctionné y a c'est sanctionné à sanctionner c'est sanctionné à bail marron zo c'est ça mrelé banan bizedrier quel que soit moun nan le Canada sanctionné ou mettre ancien président ancien premier ministre ancien ministre etc. Sanction pi red. Dernière section en date yo guerrier du seul c'est le département d'état américain eh bien qui annonce il yo ajouté sous l'issue la guerrier du seul
trois anciens officiels haïtiens pour implication dans la corruption dans le pays. D'abord, il y a ancien premier ministre dans l'année 2009-2011, premier ministre Préval, qui était au fond de Matéli tout légèrement. Jean-Max Bellerive, il y a ancien sénateur Nenel Kassi et Hervé Foucan. Et ces non trois personnalités, ça y est, au gouvernement américain, interdit rentrer la CAILI suivant un communiqué qui peut être date 11 décembre 2023, qui donc ailleurs lundi. Sanction ça y est pour tout, avec proche famille concernée, tant que madame ancien premier ministre là. On a parlé là de Myriam Esteves Bellerive, c'est pas trompé, monsieur Dominicain. Mm-hmm, oui. Il y a deux petites filles tout, qui sont des adultes, des mondes qui ont plus que 18 ans, Diana Jennifer Bellerive et Jessica Bellerive. Et de l'autre côté, pour ancien sénateur Niplan, Nenel Kassi, il y a Catherine Chéri Kassi, qui c'est madame Lé, et qui est petite ancien sénateur Niplan, et puis même famille ancien sénateur Hervé Foucan. Dans cette chose à regarder, c'est seul, il y a trois bagages qui attirent l'attention. Pour les bagages qui attirent l'attention, c'est le cas de Bellerive, guerrier. Mm-hmm. Bon, entre 2011 et 2023, ça fait pratiquement 12 ans, on m'a regardé aux dates. Bellerive va faire mon, ça me toujours dit. Même là où le dossier a beaucoup monté sous table, mais ça va vous faire un dossier. Isaac fait, n'est-ce qu'il a agi, même si vous jouez un support international, là, je me toujours dit, international, là, c'est bien en bas qui tombe. N'importe quel pas besoin ou bien intérêt changer, l'a utilisé, même ça le qu'on faut faire, ou bien même ça le qu'on fait, ou qu'on tout. Gen nèg ki wè non Bellerive nan liste sanction ki commence sauter. Et ceci depuis sous la mode. Pour qui ça? Que le la mode que le Bellerive, c'est deux anciens hauts fonctionnaires en pile monde qui perception qui ont gros blanc derrière. Comprenez bien? OK. Nous songe Bellerive qui était dans ba CRH là au côté de Bill Clinton, n'a songe pas ça. Oui, vous posez. Avait dit c'est nèg qui gen relation. Vous comprenez? Donc gen nèg la guerrier du seul depuis les wè non Bellerive. Nan communiqué département d'état américain et mes guerriers ont commencé à dire parce que nèg ça au penser que des moun kon wè Bellerive des moun kon wè Laurent Lamothe c'est des moun qui étaient bien souché sur le plan international mais c'est bien compté mal calculé parce que me saute dit ça la web là blanc ba nan zanmi taille depuis cette diplomatie l'a fait c'est intérêt ouais.